Et donc, yo tout le monde, c'est Skies. On se retrouve sur une petite map qui s'appelle GM Breakable. Donc, voilà. C'est une map où on peut creuser tout ce qu'on veut. Ouf, ça doit faire mal comme ça. Oh putain, on peut le faire ce saut? Attendez. Avec le saut accroupi pour voir. Non, attendez, là je me suis fail. Genre. Donc on se retrouve là pour présenter des add-ons. Donc c'est customisable, customisable weaponry 2.0 plus il est où? Ah merde, j'ai plus le community pack. Donc on va le prendre de suite. Donc attendez, il est où? Oh putain, fait chier. What? Ils ont supprimé le community pack apparemment. Attends, je vais juste voir là. Il y est pas, il y est pas. Dommage. Il y avait la MP7 et une batteuse. Très intéressante. Bon, c'est pas grave. Donc on va vous présenter bah, que celle-là du coup.
Et celle-là, je vais vous présenter aussi. Enfin, quelques-unes. Non, je vais pas faire ça, je vais faire plutôt. Voilà, les Kermit Machine Gun. Donc, on commence avec. Avec la KU. Donc, en appuyant sur C, on peut voir toutes les personnalisations. Donc là, on a. Truc du RPK, un truc d'AKU. Viseur chelou. Donc tout simplement on va la mettre en normal avec une poignée, un viseur, un gros magazine et une grosse stock. Et à partir de là, c'est tout le monde de la flotte en fait. La flotte fait des dégâts. Voilà, elle est assez bien et à distance elle est assez précise. C'est une AK. Hein. Alors après si on met le coup de RPK plus le silencieux. Attends, on va essayer là. C'est sûr que c'est plus précise quoi. Voilà, donc on passe à la M16. Donc là, elle peut tirer en 3 balles. Ou en auto et en semi. Donc là, on va mettre le receveur, on va mettre... celui-là parce que ça fait joli. Ça. Ça, ça. Et la mini cross. Attends, un level, deux levels, trois, quatre levels. Elle a une précision assez bien, assez bonne. Donc on passe à la G3. J'aime pas comment ils l'ont fait parce que moi je trouve que la G3. Là moi perso je la mets en semi auto mais on a aussi auto. Bref. On peut mettre poignée, bipied, lance-grenade, mais lance-grenade j'ai toujours pas trouvé comment ça s'utilise. Et moi je reste appuyé sur la souris. En fait. Bref, on passe à la MP5 qu'ils ont assez bien faite.
Juste 15 balles dans le chargeur, je trouve c'est pas assez. Mais bon, on peut changer ça. 30 de base. On peut passer sur un cross, sur une cross extendable ou bah sans cross. Donc moi je préfère passer sur l'extendable avec le petit truc pour faire la MP5K ou la MP5SD. Donc moi je préfère laisser celle de base si je veux faire comme ça. Mais ça, ça fait bizarre. On peut mettre un silencieux comme ça. Et voilà. Et elle est très puissante. Donc l'UMP. Donc une arme assez intéressante. On peut mettre un silencieux et un truc sur le rail. On passe à la HK416 qui est sans doute la meilleure arme de ce pack. Vous allez sans doute vous demander pourquoi, et moi je vais vous répondre parce que c'est celle qui a le plus de personnalisation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout ça. On peut carrément changer le camouflage. Donc perso, moi je la mets en salade hein. Parce qu'elle est magnifique. Mais on peut mettre le lance-patate, mais je trouve que c'est pas très utile, donc je mets ça. Je mets la cover sur le side roll. J'aime pas le silence, le viseur. Par contre, le chargeur, là on est sur du 30 balles. Là on est sur du 34 balles. Et là on est sur du 100 balles. Donc je mets comme ça. Attendez, je vais essayer un autre truc pour une fois. Je vais la mettre en mini-assaut. Donc ce viseur là il est bien. Sans la crosse. Non, comme ça, voilà. Pour moi ça c'est du mini assaut. Et voilà le bruit du lance. Donc maintenant on va la mettre en gros Ivy stock. On va laisser ça drôle. On va mettre ça silencieux et le viseur, on va mettre celui-là. Voilà, là on a une putain de batteuse les gars. Elle tire vite et elle a pas beaucoup de recul, c'est hyper agréable. Donc on passe au IWI Desert Eagle. Donc oui, c'est simplement le Eagle. Pas beaucoup de personnalisation, mais elles sont très agréables. Donc on peut mettre un petit silencieux. Donc c'est assez joli. On peut mettre le compenseur. Ça donne un aspect plus long. Ou alors on peut mettre l'extended barrel, et ça j'adore. On peut mettre aussi un petit viseur comme ça, c'est tranquille. Donc après on passe au K2A. Cette mitraillette hyper efficace. Donc on peut mettre une poignée, perso je mets toujours poignée dès que je peux. Viseur, mais là le viseur laser, voilà hein. Donc on est obligé de mettre un petit viseur comme ça. Comme ça je trouve que ça fait une arme de GTA en fait, c'est pour ça. Et avec le silencieux ça le fait encore plus. Elle tire vite et tue en deux balles. Donc, donc le MR496, c'est un pistolet puissant on va dire. Je sais pas si c'est le mot court. Donc on a le barrel court. Et qui est assez drôle à utiliser. On a le barrel. Ça change direct le bruit. Et on a le barrel long. Et donc on passe au BZ58, la dernière arme de ce pack.
Donc comme truc on peut mettre une crosse. Donc moi perso la crosse je la mets en foldable. Silencieux je le mets des fois. Mais je mets ce viseur là. Donc voilà vous voyez c'est rouge. Et si vous ouvrez vous restez appuyé sur la touche. Exemple là ça sera vert. En vert c'est joli. Excusez-moi pour ce bruit immense. Donc je vais passer au Kermit. Donc les Kermit Machine Games, il y a celle-ci qui vient de Battlefield 2140. Bref, surpuissante. Donc on a la Forest M249. Attendez. Et là, les mains sont normales. Et là, les mains sont débiles. Donc c'est une arme puissante. Et... pour une batterie. Touche, excusez-moi. Mais je sais qu'on peut le faire. Bon, après on passe à la HK21E. Donc c'est la version batteuse de la HK. Et perso, c'est ma batteuse préférée dans ce pack. Parce que quand même le bruit et la poignée sur le côté, j'adore ça. C'est possible que certains n'aiment pas. Bon, on va passer sur la M60. Là, c'est précise. Hein. Le recul, ça va. Mais la puissance, déjà. Donc là, on a la M60. On va passer sur la M60 A2. C'est une batteuse, c'est à peu près la même, en fait. Sauf qu'elle tire plus vite. Et elle a un recul. Bref. Donc la M4 c'est mag. Donc c'est une M4 simplement avec deux chargeurs ronds comme sur la HK. Powerful, c'est ce que j'ai à dire. Donc après on a la RPK. Elle a un... n'est pas très agréable à jouer, pourtant c'est même mitrailleuse préférée. Bon ben les gens, c'est sur ça qu'on se laisse. Allez, ciao. Non.